Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais juste vous dire deux, trois modalités pour ce point presse. Il faudrait que chacun puisse couper son micro et sa caméra. Seuls les intervenants auront le micro ouvert et la caméra ouverte pendant la conférence de presse. Les questions-réponses seront à la fin du point presse. Et si possible, pourriez-vous mettre le nom de votre média, nom, prénom en titre pour qu'on puisse vous identifier. Voilà, merci à tous. Je passe donc la parole à Dominique Le Tourneau de la Fondation d'Avenir. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de présentation du baromètre de la recherche médicale. Avant de présenter les objectifs de ce baromètre, les résultats, je vais demander au président du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir, Thierry Boudet, d'introduire cette conférence de presse. Cher Thierry, cher président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à distance. Maintenant, les uns et les autres, on s'est habitués à ce mode de fonctionnement. Moi, en quelques mots, vous dire toute ma satisfaction qu'on puisse aujourd'hui vous présenter notre premier baromètre de recherche médicale. Peut-être vous dire en deux mots que la Fondation de l'Avenir, à l'origine de cette initiative, elle a comme objectif de viser à contribuer à l'évolution constante de la médecine pour offrir à chacune et à chacun, j'allais dire, quelle que soit sa condition sociale et son lieu de vie, les meilleurs moyens de conserver ou de retrouver une bonne santé. On est beaucoup centré sur les usages, l'efficacité des technologies médico-chirurgicales et des méthodes de soins, et là aussi en contribuant au développement d'applications diagnostiques et thérapeutiques. Et on a une autre mission qui vise à diffuser l'information, former les personnels médicaux, paramédicaux et techniques. La Fondation de l'Avenir a été créée par le mouvement mutualiste. Naturellement, la Fondation de l'Avenir n'est pas le prolongement du mouvement mutualiste, c'est une structure d'intérêt général, mais je voulais le signaler parce que la Fondation de l'Avenir participe de la volonté de la mutualité française, des mutuelles, naturellement de contribuer à l'intérêt de leurs adhérents, mais plus largement d'être utile pour la société tout entière et d'être un acteur d'intérêt général. Alors simplement, mes tout derniers mots en introduction pour vous dire que on va à la fois vous présenter une cartographie des acteurs de la recherche médicale dans notre pays. Ce travail, on l'a confié à Mines ParisTech, qui est représenté ce matin par Frédéric Claes, qui est enseignant, chercheur, je crois, en management des organisations et politiques publiques. Et vous êtes beaucoup déjà, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup intervenu sur le secteur, enfin, sur le champ de la transformation du secteur de la santé. Donc ça, ce sera la première partie de la présentation. Et puis on a fait aussi un sondage auprès de Français, de médecins, un représentatif, je crois, sur leurs connaissances, leurs jugements, leurs attentes en matière de recherche médicale en France. Et cette deuxième partie du travail a été confiée à l'Institut BVA. Ce matin, c'est Odile Pexoto qui est avec nous, directrice de BVA Santé. Vous intervenez dans le champ de la santé depuis plus de 15 ans et vous avez, je crois, récemment développé un baromètre des tendances sociétales de santé. Donc voilà, j'ai essayé rapidement de présenter le programme de la matinée et en vous remerciant encore une fois de votre présence pour
c'est la présentation de ce premier, de cette première édition de notre nouveau baromètre. Merci Thierry. Peut-être pour repositionner au début de quoi parlons-nous, y compris peut-être un peu d'éléments contextuels. La réflexion au sein de la Fondation de l'Avenir sur la création d'un baromètre sur la recherche médicale, partant d'un constat qu'il y a beaucoup de baromètres dans le champ de la santé, mais il y a bien un baromètre de la recherche clinique, mais qui n'est pas forcément un rendez-vous régulier. Il n'y a pas de baromètre particulier sur la recherche médicale en France, et nous estimions qu'il y avait là quelque chose à regarder. Et puis, nous avions souhaité nous inscrire en apportant justement cet éclairage dans la réflexion plus générale autour de la loi de programmation pour la recherche, en regardant un petit peu ce que la recherche médicale pouvait représenter d'un point de vue production, d'un point de vue même économique, mais aussi d'un point de vue attente. Soyons très transparents, nous avions sollicité BVA et Mines il y a maintenant quasiment un an, et il était prévu de faire une première enquête pour la partie auprès des Français et des médecins en début d'année. Celle-ci a été conduite en janvier. Le temps de traiter les résultats, d'en tirer des éléments. Je ne vais pas revenir sur l'activité éminemment immédiate, mais des résultats qui auraient été présentés fin mars, à juste titre, vous nous aurez dit, c'est très très bien, mais il y a un événement qui finalement est intervenu depuis. Le choix que nous avons fait, c'est de dire... ce qui était une difficulté devient un avantage. Nous avons à ce moment-là une appréciation à un temps zéro du point de vue des Français et du corps médical. Et nous avons souhaité lancer une seconde vague en termes d'enquête, là uniquement auprès des Français, et y compris de pouvoir permettre de mesurer l'écart entre ce temps zéro que je dirais pré-Covid et ce temps d'aujourd'hui. Quelques mots quand même pour légitimer notre démarche. Nous le reconnaissons, je ne dis pas que nous l'assumons, mais la Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée est une fondation qui n'est pas forcément une fondation disposant d'exposition au grand public. Elle est très présente dans l'environnement scientifique, principalement au début sur la recherche chirurgicale, donc une recherche très appliquée. Depuis 30 ans, elle a accompagné, j'irais, toutes les évolutions de la chirurgie et en même temps toutes les préoccupations des chirurgiens, mais aussi toutes les collaborations des environnements chirurgicaux. Mais nous ne sommes pas la fondation de recherche chirurgicale, on est bien sur la recherche médicale appliquée, et là aussi, la conception de la recherche appliquée entre ce qu'elle était au début des années 80 et ce qu'elle est aujourd'hui a été complètement bousculée, notamment quand on regarde la question de la recherche translationnelle, c'est ce mouvement itératif entre le fondamental et l'appliqué. D'autre part, la Fondation de l'Avenir et multi-thématiques. Nous sommes à la fois sur du cancer, sur du neurodégénératif, sur du cardiovasculaire, de l'ostéo-articulaire, de la psychiatrie, autour de l'audition, de la vision. Je pourrais démultiplier, ce qui nous donne un atout considérable en tant qu'observateur des préoccupations des chercheurs. Et c'est à ce titre-là que nous avons souhaité mettre en place ce baromètre. Alors, pour illustrer mon propos, y compris pour comprendre ce que nous nous mettons derrière recherche médicale appliquée, je pourrais mettre en avant les travaux du professeur Granel, qui est spécialiste reconnu de la sclérodermie systémique,
avec toute la contribution que nous avons pu lui fournir, notamment en développement de thérapie cellulaire. Je pourrais mettre en avant, dans un autre registre, les travaux du professeur Jean-Marie Joannic, chirurgien, qui a réussi en France, avec un soutien extrêmement long, vous l'imaginez, en amont de la Fondation, la première intervention intrafétale sur un fœtus de 5 mois ayant un spina bifida. Là, on voit bien que nous avons le champ des biothérapies, le champ des technologies chirurgicales, mais pour nous, quand on parle d'innovation, surtout lorsqu'on est sensible, y compris à la prise en charge des patients, nous avons aussi accompagné, alors là, l'Institut Mutualiste Montsouris, dans le développement du patient debout. C'est une conception radicalement différente, je dirais, de l'accès au bloc opératoire. Ce n'est pas de l'innovation technologique, c'est uniquement organisationnel, mais c'est un mode, je dirais, d'appréhension et de relation aux patients relativement différent. Voilà quelques exemples. Je pourrais parler d'Aline Benabid, qu'on a soutenu au début, qu'on n'était pas connu. Je pourrais parler de Philippe Ménaché, qu'on a soutenu au début, qu'on n'était pas connu. Je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. C'est 1200 projets soutenus par la Fondation depuis sa création, avec toujours une préoccupation au plus près des pratiques, donc toujours soutenus par des praticiens. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de recherche médicale appliquée, c'est d'abord parce que c'est une recherche qui est faite par des praticiens. Des praticiens médicaux, hein, des PUPH, bien entendu, dans tous les CHU de France. On est attentif à couvrir l'ensemble des acteurs de la recherche médicale appliquée. Et puis, depuis quelques années, c'est aujourd'hui peut-être un peu plus mis en avant, nous avons été dans les premiers à nous intéresser aux autres acteurs de la santé. Je pense notamment à ce qu'on recoupe sur le terme de paramédicaux, en développant des suivis d'accompagnement ou de promotion pour la recherche paramédicale, qui sont des acteurs complémentaires, très orientés sur le soin, l'organisation des soins, qui est aussi un axe pour nous fécond de développement de la recherche médicale appliquée et qui intéresse au tout premier chef ceux qui sont concernés par la maladie. Voilà ce que je voulais dire en introduction, mais quand on parle de recherche médicale appliquée, de recherche médicale même par extension, de quoi parlons-nous? C'est un petit peu la commande qu'on a passée, et je vais tout de suite passer la parole à Frédéric Ness. Oui, bonjour. Donc, je vais faire une rapide présentation de l'étude qui a été menée par Minbaritech. On nous a demandé de faire une sorte d'état des lieux, c'est donc une sorte de point zéro du baromètre. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la cartographie de la recherche médicale? Et il y aura des points suivants. Donc, l'étude a été réalisée par trois élèves ingénieurs de l'école et a été encadrée par deux chercheurs, Véronique Stoven, enseignante chercheur de l'École des mines de Paris, Véronique Stoven, ma collègue qui fait partie d'un centre de bioinformatique, et moi-même qui fais partie d'un centre de recherche en gestion au sein de l'École des mines. L'étude a été menée au premier semestre 2020. Elle repose avant tout, juste une petite note méthodologique, elle repose avant tout sur un travail documentaire, bibliographique, mais aussi on tenait à faire des entretiens. Alors évidemment, la crise Covid est arrivée en plein dans l'étude, mais elle ne nous a quand même pas trop embêtés du point de vue d'étude. On a quand même réussi à peu près à faire les entretiens qu'on voulait, alors, selon de nouvelles modalités, mais les élèves ont réussi à faire leurs entretiens. Alors, c'est une étude à la fois un peu froide sur l'état des lieux de la recherche médicale, mais on a essayé quand même d'y montrer un certain nombre de problématiques qui se posent à la recherche médicale et des évolutions, même si c'est un point zéro, on a quand même essayé de mettre en évidence quelques évolutions. Alors, le travail qui a été mené montre d'abord... Donc, essaye de faire une cartographie à la fois des thématiques, cartographie des acteurs, cartographie des modes de financement de la recherche médicale. Dans le document qui a été remis, le rapport qui a été remis, il y a une multitude de chiffres, il y a vraiment un travail documentaire assez fouillé qui montre que la recherche médicale, c'est un paysage extrêmement dense, avec des acteurs nombreux, des acteurs publics, des acteurs privés, les hôpitaux jouent un rôle majeur, le CNRS, l'INSERM, etc. Et donc, on a plein de chiffres sur les publications, les thématiques, on a tout dans le document. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi dans le document? On voit émerger un certain nombre d'acteurs.
évidemment les startups qui commencent à jouer un rôle important dans la recherche médicale, et on voit des nouvelles thématiques apparaître, des thématiques autour des nouvelles thérapies, des thématiques autour alors c'est pas des thématiques, c'est le caractère multidisciplinaire qui est en train de monter en puissance dans les recherches médicales. Et puis, on voit aussi des nouveaux enjeux autour de la recherche et des nouveaux centres d'intérêt autour des enjeux sociétaux. On en a dit un mot tout à l'heure, mais des enjeux un peu organisationnels. Je reviendrai dans quelques secondes. Autour des acteurs maintenant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit un certain nombre donc d'acteurs apparaître des thématiques apparaître. Frédéric, j'ai juste une petite demande, si vous n'êtes pas à risque de donner une information. C'est d'enlever mon masque. Voilà. Merci. Vous n'avez personne en face de vous, il n'y a pas de problème. Alors, la diapo suivante. Voilà. Ce qu'on voit aussi en termes d'impact des financeurs et du mode de financement sur la recherche médicale, c'est que, comme on l'a dit, il y a des acteurs publics et des acteurs privés, et il y a les plans nationaux qui jouent un rôle majeur sur la dynamique du secteur de la santé, de la recherche en santé, et avec un effet de levier majeur. C'est-à-dire que Et avec des inconvénients de ces effets de levier aussi. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des effets de mode, des projets qui soient plus financés à certains moments et qui attirent les travaux de recherche. C'était un point qui a été longuement souligné par les chercheurs ou les acteurs du monde de la santé qu'on a rencontrés, qui expliquaient que parfois il y a certaines thématiques qui tombent qui ont moins d'importance à certains moments à cause de l'impact des plans nationaux. Alors, sur les thématiques, on a dit un mot, mais je voulais revenir sur les trois évolutions majeures qu'on a vues dans le paysage de la recherche médicale en France. Donc, d'une part, il y a vraiment des nouvelles problématiques qui apparaissent, notamment autour des enjeux sociétaux, le vieillissement, l'enfance, et puis évidemment l'organisation des soins, qui est un élément qui est monté en puissance ces dernières années, qui est fondamental. On a touché un mot tout à l'heure avec la Fondation qui intervient de plus en plus sur ces questions. Mais voilà, la recherche médicale, c'est plus seulement une recherche fondamentale, une recherche sur des thérapies ou sur des diagnostics. C'est aussi une recherche qui s'intéresse à l'organisation des soins. Deuxième élément, on l'a dit, il y a des évolutions en termes de contenu des recherches qui sont effectuées, et on s'intéresse de plus en plus à des nouvelles thérapies, notamment autour des biothérapies et des thérapies qui utilisent de plus en plus des applications numériques, pour en dire un mot. Et troisièmement, il y a des nouvelles approches, c'est-à-dire le caractère de plus en plus multidisciplinaire, et ça aussi, ça a été souligné par un certain nombre des acteurs qu'on a rencontrés, et on le voit de plus en plus quand on dresse la cartographie du paysage. Voilà, en conclusion, on a vu, lorsqu'on a fait cette cartographie, une formidable dynamique, un paysage qui est extrêmement dense, dans lequel il y a certes quelques effets de mode, mais aussi des travaux de longue haleine qui ont été permis par le mode d'organisation du secteur de la recherche médicale en France et du mode de financement, avec des acteurs aussi bien publics que privés qui, d'une certaine manière, se coordonnent ou en tout cas permettent qu'il n'y ait pas trop de trous dans la raquette. Deuxièmement, il y a une montée, ça c'est une tendance, donc il y a une montée en puissance des recherches et sur l'organisation des soins et sur les innovations managériales. Et puis troisième conclusion importante, c'est qu'avec ces évolutions et ces tendances, il y a des nouvelles figures d'acteurs qui apparaissent. La recherche médicale est évidemment avant tout l'affaire des médecins, des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, etc. Mais c'est aussi l'affaire de plus en plus d'acteurs du type ingénieurs qui apportent leurs compétences aux chercheurs et aux nouvelles recherches qui montent avec la montée du numérique notamment. Voilà. Merci Frédéric pour ce premier panorama. L'exercice n'est pas aussi simple que ça pour récupérer toutes les informations, les recouper, les hiérarchiser et dégager justement ce paysage qui bouge en permanence.
Et ça, c'est le premier pilier du baromètre. Et comme vous l'avez dit, un temps zéro, et je pense que, au fur et à mesure que ce baromètre deviendra un rendez-vous régulier, c'est ce que nous souhaitons, on affinera et on fera des photographies particulières. Et puis, l'autre pilier du baromètre, c'est le point de vue des personnes directement concernées. Je vous passe la parole, Odile Peixoto. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Je voulais juste dire qu'on avait été très fiers à BVA Santé de réaliser ce baromètre pour la Fondation de l'Avenir. On peut passer au premier slide. Donc déjà, comme l'a rappelé Dominique Le Tourneux tout à l'heure, on a deux vagues. Les résultats que je vais vous présenter, vous allez avoir l'intégralité des résultats, je pense, mais là, pour ce matin, l'opinion des Français, c'est l'opinion post-Covid, et vous voyez entourer les évolutions par rapport à l'avant-Covid, et vous avez en rappel les chiffres des médecins qui ont été posés avant le Covid. Donc là, juste un premier slide pour vous situer le contexte. Évidemment, la santé, c'est la première préoccupation des Français. On a le contexte sanitaire, vous voyez, mais le contexte sanitaire n'a pas fait grimper la place de la santé. C'était déjà la première place avant la crise du Covid. Et vous voyez, on a même l'environnement qui arrive en point 2 pour les Français, les médecins ayant plus la focale sur le pouvoir d'achat, l'anticipation de la crise économique. On leur demandait dans un premier temps, on voulait évaluer le niveau de connaissance spontanée de la population sur les sujets émergents, qu'est-ce qu'ils avaient en tête quand on leur disait recherche médicale, quels sont pour vous les sujets les plus prometteurs. Et là, on s'aperçoit quand même qu'il y a 30% de la population qui était incapable de citer quoi que ce soit. C'était 39% avant la crise du Covid. Donc, on voit quand même que cette crise de la Covid qui a permis de parler de recherche médicale a fait progresser le niveau de connaissance. Ils ont été beaucoup plus capables de citer des choses. Alors, évidemment, on voit que les médecins sont beaucoup plus capables, puisqu'il n'y a que 5% des médecins qui n'ont peut-être pas voulu répondre ou qui avaient peut-être trop de choses à dire. Mais en tout cas, ce déficit de culture scientifique pour 30% de la population s'est un petit peu amenuisé pendant la crise. Et on voit que l'essentiel des sujets cités concerne les maladies, les traitements, avec une partie, alors vous aurez le détail des résultats, très très forte sur la cancérologie qui sort de manière très forte. Spontanément, la Covid, ça a été cité par 10% des Français seulement. On voit que globalement, les Français comme les médecins ont une bonne image, une bonne opinion de la recherche médicale en France. On voit que cette opinion, elle est mesurée parce que le pourcentage de gens qui disent une très bonne opinion n'est que de 13% chez les Français et 16% chez les médecins, mais globalement, une bonne image. Des attentes évidemment fortes vis-à-vis de la recherche. Le champ, quels sont les champs concernés, les champs de la recherche concernés, et pour les Français, effectivement, on voit que c'est la cancéro qui est très très fortement citée, évidemment par les médecins également. Les maladies neurologiques, Alzheimer, Parkinson, arrivent en numéro 2, et le cardiovasculaire également en numéro 3. On voit que les maladies infectieuses sont citées par 44% des Français. Ça a pris 8 points par rapport à l'avant-Covid. Vous voyez, il y a eu quand même une... Mais on voit bien que les Français ont quand même une notion, on va dire, raisonnable par rapport à la couverture médiatique de la Covid au cours de ces derniers mois. Ils restent tout à fait cohérents dans leurs réponses. Il y a des petites évolutions par rapport à l'avant-Covid, mais vous voyez, le fait qu'on parle que de la Covid ne fait pas changer, et ils ont bien en tête que c'est la cancéro qui domine quand même la recherche actuellement. En ce qui concerne les missions, alors ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de matière dans ce... Je vais essayer d'être rapide. Première chose, c'est un consensus à la fois pour les médecins comme pour le grand public. La recherche médicale, c'est un bien commun.
Alors, ça va, on est dans le cadre de la fondation, donc ça tombe très bien, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça a pris plus d'importance encore aujourd'hui, après la. Vous voyez, il y a 68% des Français qui disent que c'est très important, plus 6 points par rapport à l'avant-Covid. Donc, on a vraiment un plébiscite, c'est un bien commun. Et donc, du coup, il y a tout un tas d'autres résultats qui en découlent. L'indépendance vis-à-vis des lobbies et des intérêts des entreprises, le fait que la recherche médicale publique n'est pas assez soutenue, hein, c'est aussi largement cité, le fait aussi que le public demande à avoir un accès à tous les essais cliniques. Donc, on le verra, il y a plusieurs indicateurs dans le baromètre. On voit qu'il y a un désir de démocratie sanitaire à ce sujet au niveau de la recherche médicale. Les Français ont envie de s'y impliquer à plusieurs niveaux. Donc là, vous voyez dans ce résultat déjà un accès au résultat de tous les essais cliniques. Autre, vous voyez, une justesse dans l'appréciation des Français. Ils ne sont pas non plus en train de dire qu'on ne veut pas du privé, puisque vous voyez, il y a un plébiscite aussi pour la recherche partenariale. Donc, on est bien. Alors, évidemment, c'est très, très cité par les médecins, mais très cité par le grand public. Un sujet très intéressant, c'est l'éthique. On avait un item un peu dur qui était « il ne faut pas brider la recherche médicale pour des raisons d'éthique ». Et là, les Français ont l'air d'ouvrir beaucoup plus les vannes que les médecins. Les médecins sont beaucoup plus vigilants par rapport à ce sujet d'études. Finalement, les Français, à 75%, il n'y a que 25% qui disent « non, on ne peut pas tout se permettre ». Donc, l'idée que la recherche doit avoir les mains libres pour aller investiguer peut-être des champs qui posent question, ça veut dire qu'il faut muscler les instances où on discute éthique, mais il ne faut pas brider la recherche. En tout cas, du point de vue des Français, les médecins sont un peu plus vigilants là-dessus. Alors, on a posé des questions par rapport à la COVID, donc on n'a pas les réponses des médecins sur ces items-là. Effectivement, les Français ont bien conscience que la recherche médicale concernant les maladies infectieuses avait été un petit peu délaissée ces dernières années. Et ils sont demandeurs d'une décision des orientations. Vous voyez, quand je parlais de démocratie sanitaire tout à l'heure, 70% voudraient qu'effectivement les orientations de la recherche soient discutées, soient mises sur la table, qu'il y ait des conférences de citoyens, qu'il y ait une communauté en tout cas de citoyens qui puissent s'intéresser, qui puissent participer à ces axes de recherche. Et surtout pas, vous voyez, il n'y a que 30% des gens qui disent finalement c'est tout à fait normal que les grands groupes pharmaceutiques décident des sujets les plus porteurs pour leurs propres intérêts économiques. 70% des Français disent non, c'est trop important la recherche médicale pour que ça ne soit confié qu'aux intérêts économiques. Sur la COVID, effectivement, on a rajouté un certain nombre de choses parce qu'il y a eu, comme jamais, les micros ouverts pour des virus. On n'a jamais entendu autant de virologues, d'infectiologues s'exprimer. Il y a eu beaucoup de controverses mises sur la table, avec l'histoire de l'hydroxychloroquine notamment, mais pas seulement. Finalement, cette cacophonie potentiellement aurait pu un peu dévaloriser l'image de la recherche médicale. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez, elle a été un petit peu écornée parce que tout à l'heure, la bonne opinion avait reculé de 3 points, donc c'est très, très faible. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Français sont finalement très sages. Ils sont mûrs pour la démocratie sanitaire sur ces sujets. Ils ont bien conscience que la recherche scientifique, ça avance tous les jours et que sur ce domaine de la COVID, les experts scientifiques ne savaient pas grand-chose. Et voilà, c'est un fait qu'ils ont tout à fait accepté. Ils ont conscience que la recherche médicale doit être intransigeante sur les preuves. Donc, l'idée que l'evidence-based research doit être rigoureuse, doit être scrupuleusement respectée, fait complètement consensus. Néanmoins, vous voyez, il y a quand même 65% des Français qui soutiennent le fait que le professeur Raoult a eu raison d'utiliser, même s'il n'y avait pas toutes les preuves. Donc, ils sont tout à fait d'accord pour l'idée d'une recherche intransigeante quant à sa rigueur scientifique, mais aussi, on est dans le domaine de la médecine et quand on n'a pas de solution, l'empirisme du soin doit être confié à la compétence des médecins. Donc, il y a une certaine sagesse populaire dans tout ça. Je trouve qu'on a raté, ça va être mon point de vue, une occasion parce qu'ils étaient prêts, voyez, ils disent, je trouve très intéressant que l'on parle davantage de la recherche médicale dans les médias grand public, 89%. Donc, les Français étaient prêts à avoir un exercice de pédagogie unique
sur ce que c'est que la démarche scientifique, et on a peut-être un petit peu raté ça. Donc, on l'a vu, ils s'intéressent beaucoup à la recherche scientifique, ils ont envie d'être concertés pour les axes d'orientation des travaux, mais également, vous voyez, on voit apparaître, ça a été souligné précédemment, le fait que la prise en compte de l'avis des patients pour l'évaluation des thérapies et des parcours de soins est également très importante. Hein. Ils voudraient bien, donc c'est cette fameuse patient outcome research hein, qui se développe beaucoup d'ailleurs, mais on voit que les Français, effectivement, sont tout à fait partie prenante. Les médecins, un peu plus en retrait. Donc, eux, peut-être, il y a un petit peu plus de travaux à mener avec eux, en concertation avec eux, pour montrer l'intérêt de ces approches. Et dernier point, un bel élan d'optimisme, beaucoup plus d'ailleurs du côté de l'opinion que du côté des médecins, qui ont quand même pour 39% un peu des doutes sur l'avenir de la recherche médicale en France. Hein. Bon, on connaît les raisons. Mais les Français, eux, ont envie d'y croire. Et en tout cas, effectivement, l'élan médiatique qui a été entamé avec cette crise du Covid doit se poursuivre parce que c'est un sujet qui passionne et effectivement qui peut donner lieu à donner corps à un nouvel élan pour la démocratie sanitaire sur ce sujet de la recherche médicale. Merci Madame Peixoto pour ce synthèse, exercice qui n'est pas aussi évident que ça, parce que quand on parle de recherche médicale, on balaye extrêmement large. Moi, j'ai déjà été frappé, puisque j'avais eu la chance d'avoir les premiers résultats de la vague de janvier, par déjà à l'époque la demande d'être partie prenante en matière de recherche médicale. Et ça s'est encore plus accentué. On peut le comprendre pourquoi, mais là, il y a un vrai sujet. Alors, je sais qu'ils nous écoutent. Je ne peux pas ne pas saluer Ken Cagnard, qui est à l'origine sur la place du GG dans le système de santé, et je sais qu'il a dû entendre avec grand plaisir ce souci de démocratie, y compris appliqué à la recherche médicale. Alors, il y a un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre de questions. Je propose que vous puissiez maintenant, on donne la parole aux journalistes en respectant la petite règle qui a été indiquée au départ, votre média et votre nom. Et on va les prendre au fur et à mesure. Et en fonction de la... On orientera la réponse qui sera apportée à la personne qui nous semble la plus idoine, mais il n'est pas interdit qu'il y ait plusieurs répondants à la même question et que, en tout cas, nous trois, nous partageons les réponses aux questions posées. Comme toujours, c'est la première qui donne le là. Il faut que quelqu'un se lance, mais je n'imagine pas que, à la fois contextuellement et vu la nouveauté de la matière qui est proposée, que ça ne soulève pas un certain nombre de questions. Alors, j'en ai une première. En essayant d'être court, cher Frédéric, parce qu'effectivement, quand on s'intéresse à la recherche médicale, ça recouvre quoi ? Et une question posée, vous mettez bien dedans les essais cliniques. On voit bien de quoi on parle dans le contexte actuel. Voilà. Donc, effectivement, j'ai passé trop vite tout à l'heure. Il y a trois formes de recherche qui ont été rencontrées et qui peuvent rentrer dans le champ de la recherche médicale. Il y a évidemment la recherche fondamentale qui existe dans toutes les universités, dans plein de labos. Il y a des chiffres qui sont donnés sur le nombre d'unités qui font de la recherche fondamentale. Il y a la recherche clinique.
qu'on retrouve aussi dans plein d'endroits, et notamment du côté des établissements hospitaliers, pour lequel, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même une forme de recherche qui est extrêmement motivante et qui donne une dynamique au système de santé et au système hospitalier. L'hôpital qui réussit à conserver un travail de recherche clinique, c'est fondamental, y compris pour la prise en charge des patients tout venant. Et puis, il y a la recherche dite translationnelle, qui est la recherche un peu, qui fait les allers-retours entre les deux formes de recherche pour que justement l'une ne travaille pas sans l'autre. Et tous les acteurs qu'on a rencontrés soulignent cette importance croissante qui est qu'il ne faut pas que la recherche fondamentale tourne à vide, il ne faut pas que la recherche clinique ne prenne pas appui sur la recherche fondamentale. D'où la montée en puissance de cette recherche dite translationnelle qui assure le pont entre les deux formes de recherche. Je vais reprendre une question de Sophie Dumery, en espérant ne pas avoir écorché son nom. Vous n'avez pas évoqué le rôle des collectivités territoriales et notamment des régions qui commencent à prendre un rôle croissant dans le soutien à la recherche. Frédéric, en premier, peut-être Odile, si elle veut compléter. Alors effectivement, le soutien par la puissance publique au sens large est apparu évidemment très nettement dans le travail qu'on a réalisé. Mais soutien public, ce n'est pas seulement le soutien qui vient de l'État, évidemment, il est fondamental, mais de plus en plus, la question du soutien apporté par les collectivités territoriales, notamment les régions, est apparue, avec cette question de est-ce que les politiques de santé et notamment les politiques de recherche doivent être très centralisées. Au contraire, on doit laisser un peu la main. Là, c'est des questions qui sont surtout posées par les régions pour lesquelles il y a un enjeu. Il y a un enjeu de soutenir la santé, il y a un enjeu d'adapter les politiques de santé au niveau le plus fin, le plus régional, mais aussi un enjeu pour soutenir la recherche. Et il commence à y avoir des dispositifs qui permettent de le faire. On en parle un petit peu. Ça n'a pas été l'angle d'attaque le plus important du travail réalisé, mais on en parle un petit peu dans le rapport. Vous voulez compléter ? Oui, il n'y avait pas de question spécifique sur la granularité de la recherche publique. C'est vrai que les Français, comme les médecins, semblent montrer dans leurs réponses qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de recherche publique. Et effectivement, le fait qu'ils aient envie aussi, pour le grand public, d'être beaucoup plus impliqués, c'est vrai qu'on peut supposer que des choses au niveau local, régional, en ligne avec les CHU de leur région, en ligne peut-être avec les problématiques de santé spécifiques qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, peuvent susciter un engouement. Voilà, mais ça, c'est mon point de vue, on va dire, j'extrapole un peu les résultats de l'enquête puisqu'il n'y avait pas vraiment de questions spécifiques. Alors, de la part de Marion-Jeanne Lefebvre, qui est journaliste à l'APM, ça s'adresse directement à vous, Mme Pexoto, à travers l'enquête justement. Est-ce que l'image de la recherche médicale s'est écornée entre la première enquête pré-Covid et la phase Covid? Alors, elle a perdu 4 points, donc c'est significatif. C'est écorné, c'est-à-dire que ce n'est pas... Elle ne s'est pas effondrée, loin de là. Elle reste quand même bonne. Mais il y a quand même un petit retrait. Il y a quand même moins 4 points. C'est significatif. C'est peu. C'est-à-dire que par rapport, moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit bien pire. Donc, je trouve qu'il y a un socle très solide, tout simplement parce qu'il y a énormément d'attentes. Les gens attendent ce vaccin. Bon, je ne suis pas rentrée dans le détail de tous les indicateurs, mais il y a des attentes fortes sur le cancer qui touche toutes les familles. Donc, c'est vrai qu'il y a des attentes très fortes, plus la montée en puissance de la problématique santé aussi, hein, avec le lien d'ailleurs santé-environnement, hein, qui commence à devenir très structurant également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Ils ont envie d'y croire, ils voient qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont… C'est quand même, la recherche française est quand même importante,
prix Nobel de chimie, même si elle a fait tous ses travaux en dehors de France, elle a quand même notre championne charpentier prix Nobel. Voilà, c'est formidable. Donc, il y a vraiment un rayonnement. Néanmoins, je pense que la crise actuelle n'a pas permis de faire ressortir l'image grandie, puisqu'on est un peu toujours en recherche, il n'y a pas eu de solution encore trouvée. Et puis, il y a eu cette cacophonie quand même qui a peut-être amené un petit peu de doute. Voilà. Mais ça reste très léger. Il n'y a pas du tout… l'image reste bonne. Merci, Madame Peixoto. Question d'ailleurs à vous deux, peut-être à Frédéric Lesse en premier. L'état des lieux que vous faites montre aussi un morcellement de la recherche. Il y a beaucoup d'acteurs et ça n'entraîne pas un risque de dissémination, d'absence de force de frappe suffisante sur des projets majeurs. C'est à la fois ce que dit l'enquête, mais en même temps votre point de vue. Alors, l'étude a montré effectivement qu'il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués dans le secteur de la recherche médicale, énormément. Et si on devait établir la cartographie physique, on verrait des flèches partout, c'est-à-dire à la fois le fait que c'est morcelé, mais à la fois il y a de la coopération, il y a de la coordination, il y a des tentatives en tout cas de coordination. Voilà, c'est pas que des îlots d'équipes qui travaillent de manière indépendante, voire concurrentielle. Il y en a évidemment un petit peu, mais il y a aussi des modes de coordination importantes. Donc je suis pas sûr que le terme de morcellement soit juste, parce que à la fois il y a de la coordination et à la fois il y a quand même aussi des grands blocs thématiques, des grands blocs d'acteurs qui interviennent. Et donc, nous, on avait plutôt eu l'impression, plutôt que morcellement, de dire une dynamique d'ensemble, c'est-à-dire des acteurs nombreux, mais une volonté d'avancer, une volonté d'essayer de travailler de concert, et avec cette montée dont on a parlé tout à l'heure de la multidisciplinarité, c'est-à-dire la prise de conscience que les recherches aujourd'hui, elles ne peuvent pas être justement morcelées, cloisonnées, elles ont besoin de compétences variées qui peuvent être trouvées pas seulement dans un seul et même labo, mais dans des labos différents. Pour compléter, en fait, la cartographie a eu lieu justement parce que dans les premiers échanges qu'on avait eus, nous, on avait dit, mais les Français ne vont pas du tout savoir comment est organisée la recherche. Ils ne sont pas capables de savoir. D'ailleurs, ils ont, on n'a pas présenté les résultats, mais ils ont l'impression que la place des laboratoires type INSERM, CNRS, etc. est beaucoup plus importante. Ils les citent beaucoup plus par rapport à ce que c'est en réalité, même si ça reste très important. Donc, ils ont cette idée de multiplicité d'acteurs avec les acteurs de santé publique très, très fortement cités. Ce que je voudrais dire quand même, c'est ça a été dit tout à l'heure par Frédéric Lett, c'est qu'il y a quand même l'histoire du fléchage de l'argent. Et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être re-questionner avec la dimension de recherche publique et d'intérêt public. C'est-à-dire à partir du moment où les chercheurs passent leur temps à chercher l'argent et qu'il y a un fléchage public de l'argent qui se fait peut-être de manière pas assez transparente, pas assez concertée, ça c'est questionnable. Voilà, donc c'est normal aussi qu'il y ait d'énormes centres diversifiés de recherche, parce que la recherche médicale, ça touche au vivant, ça touche à énormément de choses aujourd'hui. On a vu les nouvelles disciplines, hein, ça prend des proportions énormes. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait énormément d'émiettements de centres, de labos, etc. Mais sur les grands axes d'orientation de la recherche, je pense qu'il n'y a pas assez de concertation avec le public. Ou avec l'opinion publique, ou avec des représentants peut-être éclairés de l'opinion publique. Alors, toujours dans le même registre et toujours par Sophie Dumery, est-ce que vous avez éclairage sur le lien positif ou négatif entre les dons publics et la cacophonie médico-scientifique? Pour le dire différemment, est-ce que cette cacophonie, en tout cas mise en avant dans l'espace médiatique, sachant que la science, c'est un combat de tous les jours, hein, avec des confrontations, dans le bon sens du terme, est-ce que ça, de votre point de vue, ça a eu un impact sur ce qu'on regroupe sur le terme de l'attitude publique? Et puis, je crois que
Il y a M. Lavarde qui s'occupe de ces questions à la Fondation. S'il veut donner son point de vue, ça sera avec plaisir. Ben, il y a eu une espèce, je vais être employer un mot un petit peu fort, mais un peu une hystérisation à un certain moment des positions des uns et des autres, qui était tout à fait légitime. Et c'est, le débat avait lieu d'être, mais au lieu d'en faire un exercice d'éducation du public à la controverse scientifique, qui est un mode tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que les chercheurs à un moment ne soient pas d'accord, n'est pas d'ailleurs, vous voyez, ce matin j'écoutais Jean-Pierre Luminet sur France Culture qui a été titillé sur ces questions-là, et lui disait finalement, en recherche médicale, il faut peut-être plus encore qu'ailleurs faire attention à la... le caractère rigoureux des résultats parce que y a la santé derrière et voilà. Néanmoins, parfois, les bonnes idées, les idées, les pépites, l'innovation, elle vient parfois de choses inattendues, d'essais, erreurs, voilà, et toute l'histoire de la science le démontre. Donc, il y a peut-être trop de postures de dogmatisme, donc de croyance, et c'est pas dans l'expression de ces chercheurs et peut-être de part et d'autre un effort. Voilà, moi j'aurais rêvé d'une conférence de consensus ou d'un esprit de ce qu'est la conférence de consensus, c'est-à-dire de ce que font les scientifiques à longueur d'année dans le domaine médical, et là pour le coup ça manquait et ça aurait été formidable de le faire partager. Alors, sur l'éclairage, bien entendu, nous l'acceptons, l'observatoire que nous avons sur la Fondation de l'Avenir, mais Éric Lavarde, qui s'occupe notamment de la collecte auprès du grand public à la Fondation, peut donner les grandes tendances de la collecte telle que nous percevons au niveau de la Fondation de l'Avenir. Bien entendu, je reprécise dans les limites de notre champ d'intervention. Monsieur Lavarde ? Bonjour, oui, merci. Bonjour à tous. Bon, sur la partie générosité publique concernant la Fondation de l'Avenir en propre, hein, la notion que vous évoquiez d'image écornée, nous l'avions nous anticipé légèrement différemment, en pensant au contraire que, étant donné le contexte sanitaire extrêmement compliqué, il y allait avoir une recrudescence de la générosité publique envers les structures qui font appel à la générosité publique et qui s'occupent de trouver, alors peut-être très directement des vaccins, hein, et nous ne sommes pas nous dans cette démarche aujourd'hui, donc nous ne sommes pas forcément bénéficiaires d'un afflux de dons spécifiques concernant les vaccins, mais nous espérions bénéficier d'un afflux de générosité potentielle qui aurait pu être déclenché par le contexte sanitaire. À l'heure où je vous parle, quelques mois après donc, cette première vague, et indépendamment de tous les éléments autres qui pourront être qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, nous avons une image de notre collecte qui est plutôt cohérente par rapport aux années précédentes, sans un pic ascendant un peu espéré, mais pas forcément anticipé, mais avec malgré tout une certaine mode de cohérence ou une continuité avec un indicateur très intéressant pour nous qui est l'utilisation du don en ligne massivement et au détriment d'autres canaux de collecte que nous pouvions avoir. Donc pour reprendre aujourd'hui, nous sommes à peu près là où nous espérions être l'année dernière à la même date, c'est-à-dire sans aucune on ne savait pas il y a un an de ce qui allait se passer. Donc nous sommes plutôt pas impactés directement. Il sera intéressant de voir en fin d'année si les grandes structures qui font appel à la gestion du public et qui travaillent sur le champ spécifique de la COVID ont vu ce pic et cette curiosité ou ce besoin de faire quelque chose en soutenant la recherche médicale par un don, si elles ont pu bénéficier de ce mouvement. À l'heure où je vous parle et en échangeant avec les différents professionnels du secteur, ça n'a pas été une collecte en hausse à l'image de ce qui a pu être fait il y a quelques années dans le cadre du tsunami ou des choses comme ça. C'est quelque chose de plus modéré dans la réponse des donateurs. Merci Eric pour ces informations. Une autre question qui à la limite peut-être est à prendre comme pas une critique, mais l'enquête et le sondage dans l'espace francophone, hexagonal, est-ce que c'est toujours le bon espace aujourd'hui pour la recherche médicale? Est-ce qu'il ne faut pas être à un niveau supra?
et à un niveau notamment européen. Est-ce qu'effectivement la recherche médicale, les moyens à mettre en œuvre, les collaborations à mettre en place peuvent résister à un espace qui devient de plus en plus étroit? Alors, Frédéric Claes en premier, puis Olivier, si vous souhaitez intervenir. L'étude n'a pas vraiment porté. L'étude n'a pas vraiment porté là-dessus, puisque l'étude portait vraiment sur la recherche médicale en France. Donc, peut-être que ce serait mieux que ce soit vous qui répondiez. Je vais faire aussi la même réponse, puisque c'était le cahier des charges, hein, c'était la recherche médicale en France. Après, donc là, je sors un petit peu du commentaire du sondage. C'est vrai que la recherche médicale, elle est mondiale. On voit bien où sont organisées l'organisation des essais cliniques, etc. On est sur quelque chose de mondial. Il y a quelque chose à jouer au niveau européen parce que dans l'organisation des essais cliniques, etc. Mais on voit qu'il n'y a pas eu pour l'instant, à mon sens, hein, une concrétisation de cette dimension européenne pour la recherche, peut-être, et effectivement, ça reste un vrai sujet. Frédéric, vous êtes sorti avec une pirouette, ce n'était pas dans la commande, mais votre point de vue personnel en tant que chercheur? À la limite, je préfère revenir sur la question précédente parce qu'elle me paraît assez fondamentale sur l'image un peu de la recherche médicale, même si notre étude n'a pas porté là-dessus, mais les discussions qu'on a eues avec les chercheurs, le fait que nous-mêmes, on travaille énormément avec les chercheurs, les médecins qui sont engagés dans des travaux de recherche, il y a un petit paradoxe quand même autour de la recherche médicale. C'est qu'à la fois, elle bénéficie d'une bonne image et à la fois, on attend d'elle encore beaucoup. Et ça, je voudrais juste dire que c'est lié sans doute à des différences de temporalité. Et je voudrais insister là-dessus parce que nous, on l'a bien vu dans notre étude, là, pour le coup. C'est-à-dire que la recherche, forcément, la recherche de manière générale et la recherche médicale en particulier, elle travaille sur des temps longs. C'est-à-dire qu'il y a forcément du temps. Et à côté de ça, il y a une demande de temps court de la part du grand public pour aboutir à des résultats très, très, très rapides. Et ce petit paratexte, cette tension, à la fois, elle est motivante. C'est-à-dire qu'on essaye de raccourcir le temps long des chercheurs pour aller le plus possible vers le temps court de la demande. Mais en même temps, elle présente quelques aspects un peu négatifs parce qu'il y aura toujours cette différence entre les deux temporalités des deux côtés de la barrière, si je puis dire. Je ne vois pas d'autres questions arriver, soit par le chat, soit par les SMS autres. Et puis, on est dans les temps, ce qui est très bien. Peut-être à titre de conclusion provisoire, bien entendu, quelques éléments qui, du point de vue de la Fondation de l'Avenir, hein, nous ont particulièrement marqués. D'abord, même si ça a été légèrement écorné, il y a une question, vous avez répondu, c'est quand même la vision très positive des Français, je suppose d'ailleurs, y compris en termes d'attente surtout dans un premier temps, mais la vision très positive des Français par rapport à la recherche médicale française. Je reviens sur un espace hexagonal. Et que s'il y a une légère dégradation, elle n'est pas massive, ça n'a pas été un changement radical. Il y a toujours des attentes fortes et on a vu que pour beaucoup de Français, la recherche médicale française, c'est encore une recherche de qualité. Ça, c'est un premier élément qui n'était pas aussi évident, c'est facile à dire, mais ce n'était pas aussi évident de le dire si on nous avait posé nous directement la question, est-ce que vous pensez que les Français ont une bonne image de la recherche médicale? Il y a visiblement une forte attente, je pense qu'elle est exacerbée, mais l'image est extrêmement bonne. Le deuxième élément qui m'a interpellé, peut-être parce qu'il y a très très longtemps, j'étais un soignant et que ça résonne en moi, mais c'était partagé au sein de la Fondation et on a des profils extrêmement différents, c'est les Français veulent être partie prenante de la recherche médicale. Je ne suis pas sûr que si entre nous s'était posé la question il y a un an, naturellement, on aurait eu cette perception-là. Ce qui pose
une question, alors là, très clairement, et on l'a vu dans l'étude, hein, il y a eu un phénomène d'acculturation accélérée par rapport à la recherche médicale entre l'enquête qui a été faite en janvier et la deuxième vague de septembre. Il y a eu une appropriation, parce que je pense qu'il y a une appétence pour la recherche, et si je peux me permettre, ça renvoie y compris sur la contribution que peuvent apporter à la fois les pouvoirs publics, dans des formes d'expression différentes. Vous avez évoqué les conférences de consensus, par exemple, mais aussi les médias, qui peuvent avoir un vrai rôle pédagogique pour expliquer comment fonctionne la recherche et comment se développent les découvertes scientifiques. Il y a une vraie demande, et y compris d'être partie prenante. Et vous l'avez évoqué dans l'enquête, et c'est intéressant, y compris de mettre plus à distance, en tout cas beaucoup plus que les professionnels de santé, notamment le corps médical, ce qui pourrait lever de craintes relevant d'un niveau éthique. Il faut faire avancer la recherche et on a envie d'être partie prenante de cette avancée en matière de recherche. Ça, c'est pour des acteurs comme nous qui sont des contributeurs de l'intérêt général, c'est pour nous un vrai levier. Alors, si je peux me permettre, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la loi de programmation de recherche, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les moyens fournis à l'Agence nationale de recherche, mais j'ai constaté qu'on avait prévu que de mettre 1% du budget de l'ANR sur, justement, on appelle l'information au grand public, l'acculturation du grand public. Je pense qu'il faut faire un effort. C'est aussi, plus on est informé, plus on est averti et plus on est en approche, je dirais, pragmatique des questions de recherche. Il y a une vraie attente, une vraie demande. Je pense qu'il y a un rôle du côté des médias. Il y a certainement aussi un rôle du côté d'acteurs comme nous, hein, le monde des fondations dans leur diversité. Et il y a bien sûr un enjeu pour les pouvoirs publics, à la fois de moyens à mettre en œuvre et de méthodes à mettre en place. Et puis, autre point, vous l'avez soulevé dans l'étude, on le voit dans l'enquête, c'est la montée en puissance de l'organisation des soins comme une thématique non pas centrale, mais qui prend une place de plus en plus importante parce que directement, j'irais là en situation réelle, on a vu les difficultés de la gestion des soins. Et je vais prendre un exemple qui pourra parler au président de l'UT française, c'est celui de la télémédecine. Il y a de nombreuses années, nous avons accompagné des démarches de développement de la télémédecine en EHPAD. On était sur des modèles, je dirais, de compréhension assez rationnels et reconnaissons-le, ça n'a pas beaucoup marché, ça s'est peu développé, c'était très souvent intuité. Il y avait un porteur qui soutenait, le porteur disparaissait et finalement, ça retombait. Et là, on a eu un développement en très peu de temps où l'usage, finalement, s'est mis en place par la nécessité. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, effectivement, là, on a un impact sur l'organisation de soins qui modifie. Et il est extrêmement important de permettre la pérennité. Ça pose d'autres questions sur lesquelles ce n'est pas le rôle de la Fondation, mais le rôle de la Fondation, c'est de montrer ces évolutions significatives. Je prends celui-ci particulier des médecines, mais on pourrait parler aussi des pratiques avancées, des transferts de compétences, du changement des acteurs vraiment en première ligne, des fonctions de coordination, des fonctions de décloisonnement entre le secteur et le social. Il y a des espèces de choses qui sont tellement évidentes parce qu'on en parle depuis 20 ans, mais là, finalement, la réalité nous a rattrapés et nous oblige à apporter des réponses. Voilà les trois éléments, presque l'affect fort vis-à-vis de la recherche médicale et la recherche médicale française, la demande d'être vraiment partie prenante, et puis la troisième chose, l'organisation des soins. C'est à mon avis, mais du point de vue de la Fondation de l'Avenir, hein, trois éléments forts que nous pouvons retenir pour cette première édition du baromètre, avec ces deux leviers, l'enquête et l'étude. Notre objectif, ce n'est pas faire un baromètre fois et de repartir. Nous allons inscrire dans la durée. Nous allons proposer un rendez-vous régulier pour voir les évolutions. Et finalement, notre petite difficulté de départ d'avoir fait une enquête juste avant le Covid, finalement, devient pour nous une certaine force parce qu'on voit déjà tout de suite
Alors, nous sommes encore dans le Covid et je l'espère, quand nous serons sortis de cette épidémie, on verra, y compris les écarts, les réorientations. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Je voulais remercier l'ensemble des participants, bien entendu ceux qui sont à mes côtés autour de la table, ceux qui sont en ligne, tous les journalistes qui sont présents au bout et puis quelques acteurs parties prenantes de nos préoccupations. Merci à vous. Et puis, rendez-vous pour une prochaine édition et rendez-vous pour bénéficier là de l'ensemble des résultats. Mais ça, je vais donner la parole à la collègue qui est à côté de moi. Alors, juste pour information, les éléments documents seront disponibles sur le site de la Fondation de l'Avenir, dont l'état des lieux de la recherche médicale, les résultats de l'enquête, le communiqué de presse et l'infographie et le motion design qui ont été visibles aujourd'hui sur les tweets. Et enfin, bah, pour tout complément d'information, n'hésitez pas à revenir vers nous, Marion de PRPA ou Sophie également de PRPA. Et pour les journalistes, nous vous envoyons à l'instant le communiqué de presse avec les éléments. Voilà, très bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir.